Rennes. Oui, Madame, Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais revenir très rapidement sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne qui a été publiée le 5 décembre dernier. Et je tiens à saluer la publication de cette liste ainsi que le travail, Monsieur le Commissaire, et votre dévouement sur le sujet. Après le scandale de LuxLeaks en 2014, puis de Panama Papers et enfin des Paradise Papers, il est indispensable que les pays se penchent sur ce sujet. Une telle action européenne envoie un signal fort dans notre volonté de mettre fin à ces pratiques qui, comme l'a rappelé notre ministre de l'Économie et des Finances, sont une attaque à la démocratie. Cependant, vous nous avez dit tout à l'heure vouloir aller vite, mais est-ce que vous pouvez rentrer sans sanctions dissuasives, la liste ne sera qu'un bout de papier, ce que vous nous disiez. Quel type de sanctions efficaces et applicables seraient susceptibles d'être pris en compte selon vous ? Si Eric Alauzet.